Bonjour, je me présente, Frédéric Hamel, je suis ébéniste tourneur marketeur. Depuis tout petit, j'ai voulu travailler le bois. J'avais un établi que mes parents m'avaient offert avec des outils. Donc à l'âge de 5-6 ans, je commençais déjà à travailler un peu le bois. Ensuite, j'ai intégré l'école Boulle à Paris pendant 6 ans. J'ai été diplômé de l'école Boulle. Par la suite, j'ai intégré l'atelier de M. Meyer en 98. Pendant 3 ans, à son départ à la retraite, j'ai repris l'activité. L'atelier est labellisé Entreprise du patrimoine vivant. Donc maintenant, je fais plusieurs métiers. Je fais de la création, je fais des stylos, des boîtes, des objets. J'ai plusieurs activités. Je travaille la nacre, le bois, le métal, et ce qui me permet de développer plusieurs techniques et d'être polyvalent sur tous ces matériaux. Donc, dans un premier temps, je vais vous montrer une création que j'ai faite. Donc, c'est une boîte guillochée ovale. Donc le guilloché, c'est toute la découpe extérieure de la pièce. Donc là, quand je l'ouvre, on voit bien le travail de la pièce, du guilloché. Donc cette pièce est en ébène. Et ensuite, j'ai fait un travail sur le dessus de nacre, de l'haliotide. J'ai percé tous les éléments. Ensuite, j'ai incrusté tous mes morceaux de nacre que j'avais préalablement poli. Et je voulais que ça fasse un effet goutte d'eau qu'on retrouve quand il pleut sur les vitres. Maintenant, je vais vous présenter un instrument d'écriture de la collection Horizon, qui est en résine noire et galucha. Il est composé de plusieurs éléments, du support, du corps, du bouchon, du support de doigt. On a la plume ou le modèle roller et le galucha. Donc on a décidé d'appeler cette collection Horizon, car dans la vie, on a plusieurs buts, plusieurs horizons, et on peut utiliser plusieurs matériaux, de la nacre, de galucha, de différentes couleurs, afin de correspondre au mieux aux horizons de chacun.